Bonjour, bonjour mes amis, comment allez-vous? J'espère que vous avez la paix aujourd'hui. Bienvenue sur la chaîne Sikovida Faniel. Au point, c'est avec immense et réel plaisir. Nous rejoignons sur la plateforme et ceci nous pour le bas information. Ça que nous gagnons sous table aujourd'hui, nous gagnons un peuple ukrainien et bien, qui a passé un moment difficile. Et peuple ça, aux abois du courage, yo a fait manœuvre, yo capable éloigner yo de tout champ de bataille qui gagnait. Il a quitté ville Kiev et puis yo capable éparpiller yo dans d'autres villes. Peut-être si m'a expliqué ou ça, ou capable à comprendre ni parce que ou pas dans la guerre, mais moi-même, moi fais un changement de rôle avec yo. Moi mettez dans place yo, franchement. Peuple, ça a passé un moment difficile. Nous pourrons parler ou de ça et journée jeudi. Hein? Et puis nous pourrons aussi bah, ou information de rencontre qui t'est gagnée entre Nicolas Maduro avec une délégation américaine, rencontre qui t'est gagnée entre Emmanuel Macron et Monsieur le Président Vladimir Poutine, le président de la Russie. Si vous nous regardez pour la première fois, faites-vous membre de cette grande famille pendant que vous cliquez sur abonner en activant la petite cloche et cela vous permettra d'avoir les notifications des vidéos que j'aurai à vous faire parvenir à la chaîne. Mais si vous êtes déjà membre de la grande famille, eh bien, pas besoin de trop bien inquiéter ou mettre seulement partager vidéo nous avec famille, avec amis et plus vous êtes capable d'accès à genre de vidéo ça. Nous allons entrer dans toute information pour aujourd'hui. Hein? Restez là, gardez la vidéo du commencement jusqu'à la fin. Il y aura de grandes surprises. Suivez mon regard. Nous revoici mes chers amis. Nous voilà bas information. Et bien dans le pays Ukraine, nous gagnons plusieurs chats de guerre russes que, eh bien, unité d'enquête yo découvrit qui se cacasse, où sont passés ces soldats russes, point d'interrogation. Nous gagnons encore la population ukrainienne pardon, qui cherche d'une façon pour éloigner de la ville ou pour éloigner des champs de combat. Et mais nous sommes capables de remarquer même les soldats là pour être capables d'orienter mon yo, bay mon yo, aide pour être capable de sortir, quitter l'espace goumen. Ça que moi réfléchis et ça que moi ouais, moi bah en pile importance dans la question guerre, c'est parce que quoi que les deux pays a goumen entre eux, mais ils ont toujours fait geste d'humanisme pour aider le monde qui pas gagné pour ensemble avec la guerre parce que deux pays décident vous-même, parce que c'est une décision de grands présidents. Parce qu'il y a un pays, comme Vladimir Poutine a bien déclaré, la décision de l'invasion ou la décision d'attaquer l'Ukraine, ce n'était pas une décision facile. Il a pu faire une question au secrétaire d'État, au secrétaire des forces armées russes, pour lui dire, est-ce qu'au prêt? Et je pense là, secrétaire, tes contingents réfléchis 20 000 fois pour me dire non, pas de problème. Mon excellence, depuis, pour dire oui, c'est action. Et faut me dire nous, bagarre pas facile, non seulement pour la Russie, mais quoique potentiellement la Russie gagnait plus gros représentation militaire, plus gros représentation des troupes. Les contingents plus bien campés que l'Ukraine dans Goumen, mais pas oublier, c'est la Kaili la Goumen avec elle. Le Wallant qui la Kaili au monde, pour capable Goumen avec lui, il y a plusieurs bagages qui sont passés. Maintenant, c'est la Kaili liée, il compte tout route, il compte tout truc, il compte tout piège, toute façon que il a dévié ou même comme adversaire. Mais tel n'en était pas le cas, ou tel n'en est pas le cas, parce que guerre, c'est un bagage qui a un aspect scientifique là-dedans. Il y a des experts qui disent si nous faisons comme ça, mais comment on a fait? Même genre les États-Unis étaient entrés en Irak en 2004. Le président Barack Obama était sénateur de New York. Lui, il a signé contre la guerre en Irak. Parce que
Obama te comprendre que al fait guerre en Irak là, c'est pas ça qui a solution. Bagala, c'est entente, c'est dialogue. Et puis, ça n'a pas privé fait, mais mon cher, États-Unis ont entré, ont installé mes troupes, mais en pile soldats américains qui sont morts, ils ont détourné en pile bagaille. J'en ai regardé là, nous, monsieur Damio a passé dans un moment difficile. Il a traversé le pont, il a traversé la rue. Pendant qu'il a traversé la rue, il y a un feu balle qui fait entre l'Ukraine et la Russie. Pas bien, c'est des trucs comme vous, mais Léo dit guerre, c'est pas chez nous qu'on a regardé dans le film. Ou dans le film, on a dit qu'on parle bien. Non, guerre pas comme ça. L'entrée la caille au pays, ou à goûter avec lui, c'est point stratégique qui vous mettre dehors. Vous comprenez? C'est la capacité de bien faire. C'est pas. Là, on est à la scie, tous les deux une croisée. Sur un champ, on vide, un champ vide. Cartouche pour le balai. Mais quand on met quoi, graine petite. Ça que moi gagné pour moi, t'as dit, c'est que. Guerre là. Li mette Ukrainien ou nan situasyon difisil. Le gwo peyi, le yo fe intervensyon militer ou bien gen gen, yo pa kite se wou vin la kayo ou defet afer. Yo vin la kayo. Se kom si mta di, li pren ti soldat sa ou, li voye ale, li di ale al goumen a Ukraine, al bat Ukraine, epi Ukraine li menm la savonnen nou tou. Paske pa bliye se batalye, e pa sel wou men, ou ka gen gen gen, menm ap tiyon pil moun nou. Gade eta, gade, situation yon grand monde a passé. Gardez situation yon petit monde a passé. Ça yon compte de politique, qui ça yon gen pour yon ouè dans une guerre qu'en fait entre deux pays. Gardez. Même pas à la parité trop bien, il fait mal et vraiment attristé pour moi comment grand monde âgé de 60, de 70 ans a obligé courir, ou pas qu'à traverser, ou pas qu'à lever pied, ou pas qu'à baisser. On nous fait un changement de rôle, mes chers amis. En tout cas, Emmanuel Macron a demandé Vladimir Poutine pour lui faire un retrait sous Garland parce que l'Europe n'a pas la nécessité, l'Europe n'a pas beaucoup préparé pour la guerre ça éclater, mais Poutine dit pas fait bac. Poutine dit pas fait bac. Nous gagnons la Pologne. Nous gagnons la France, les États-Unis et nous gagnons la Roumanie ensemble avec l'Ukraine qui a créé moyen pour voir comment alors gagnons autant tout pour voir comment ils sont capables contrôler l'espace aérien ukrainien et là aussi dit quel que soit le pays qui fait ça, ça c'est Vladimir Poutine qui a parlé, c'est guerre demandé la balle en réponse rapide. Et femme dit nous bien, Poutine pas fait bac sous décision, lui, parce que tonton ça lui-même, c'est Goumel, lui, Goumel. Les pays de l'OTAN, ils ont vraiment fait silence dans le dossier Ukraine, ils ont été mis au devant, petit garçon, et bagala. Bon, les conséquences de la guerre. Nous avons vu déjà les faits, maintenant les conséquences de la guerre. Les petits pays, c'est eux qui pourraient le côté tête cassée. Déjà, combustible a dit déjà monté un paquet l'argent à l'échelle internationale. M'pakoué, moi te parlé nous de ça hier en passant dans une vidéo. L'idiot bagay qui fait là. Le pour les États-Unis te isolé Venezuela, les États-Unis ont pu acheter le pétrole russe. Maintenant, les besoins isolés la Russie, les retourner à dialoguer ensemble avec Venezuela pour les capables d'acheter pétrole dans même Venezuela. En nous réfléchir. États-Unis, ça, c'est pas lui même qui t'a fait Haïti voter contre le Venezuela pour mettre le DOA. Même États-Unis, ça, c'est pas lui même qui t'a et comment t'es exilé. Alors, c'est pas exilé, non? Nous sommes dit moi là oui qui mettait Venezuela dans un côté yo pas c'est comme si on t'a dit yo mettait le dehors dans les bagages
les chita avec la Russie. Maintenant, pour lui, exiler la Russie, voyez-vous bien, il retourne à Venezuela. Et pendant ce temps, il connaît Venezuela, c'est un allié qui est plus sûr que la Russie est gagné dans l'Amérique. Parce que, pas oublier tout, après la déclaration de Nicolas Maduro, et ce type a déclaré clairement que la Russie a défendu tête et l'a condamné telle que soit sanction de voir contre la Russie. M'a suivi, m'a regardé pour moi de près ou de loin, et puis je vous ferai savoir n'importe quelle information. Restez branchés sur plateforme, n'a pas déplacé. M'a tourné dans un petit temps qui n'est pas trop long pour une autre information tout net. Bonjour, si vous avez, mais tant mieux. Dans le cas contraire, la vie continue. On se reverra dans la prochaine vidéo pour de nouvelles informations. Gardez-vous le moral, tant que va le moral, tout va. Bonjour, au revoir.